Avance plus loin dans les terres, Résor. Bien reçu. Uniforme, la plage est sous haute surveillance. Y a-t-il un autre moyen d'accéder à la cible? Terminé. Négatif. On reçoit aussi des signaux thermiques indiquant des véhicules près de la rangée d'arbres. Tu dois mener une attaque rapide et discrète depuis cette position. Parfait. Résor 3-2, le paquet entre dans une marina au pied d'une station de téléphérique. C'est une occasion de prendre de l'avance. Reçu, uniforme. Perdez pas leurs traces. Je fais tout mon possible. Compris, je balaye la zone. On a du nouveau, le bateau est à quai et semble être réapprovisionné. Les otages sont-ils transférés? Terminé. Négatif, le paquet et l'équipage sont intacts. Attention, on a repéré un drone en haut du mur, en face. Résor 3-2, station de ravitaillement ennemi droit devant. Plusieurs ennemis sur place. Affirmatif. Y a-t-il un moyen de continuer sans me faire dessouder? Basta, assure-toi d'avoir une idée claire de la situation avant d'agir.
Pas le côté gauche. Trop exposé et trop serré. Peux-tu atteindre le sommet sur la droite pour faire un point d'observation? Négatif. Deux ennemis me bloquent la route. Continue jusqu'au sommet. Tu seras presque invisible dans les feuillages. Un ennemi solitaire sur votre chemin, il faut l'éliminer. Je suis sur une falaise surplombant une station de téléphérique. Il y a du mouvement de l'autre côté. Affirmatif. La vidéo montre qu'il y a des sentinelles au poste d'observation de l'autre côté. Descends d'abord celui qui est le plus haut. Ok, bien reçu. La seule option, c'est le côté droit de la falaise et sauter. L'eau amortira ta chute. Putain! Il est temps de partir. Ah. 3-2, je suis sur une falaise surplombant une station de téléphérique. Il y a du mouvement de l'autre côté. Affirmatif. La vidéo montre qu'il y a des sentinelles au poste d'observation de l'autre côté. Descends d'abord celui qui est le plus haut. Ok, bien reçu. La seule option, c'est le côté droit de la falaise et sauter. L'eau amortira ta chute. Est libre. Autorisation d'avancer. Dias, j'ai sauvé ta peau. Résor, quelle est ta position? Oh, un peu plus haut que prévu, mais je survivrai. Ravi de l'apprendre. Nage jusqu'à la plage. Frayez-vous un chemin jusqu'à la station. Ennemi repéré par caméra infrarouge dans la maison devant vous.
spectacle commence. Balayons votre zone, les emplacements des troupes ennemies devraient apparaître sur votre mini-carte. Maintenant. Il va falloir passer à la vitesse supérieure. On a très peu de temps. Il faut sécuriser l'arme biologique à tout prix. J'en prends note. Qu'est-ce que vous entendez par là, capitaine ? Je connais parfaitement l'objectif de la mission, général. Assurez-vous qu'il y a une équipe des forces spéciales en place cette fois-ci. J'ai aussi l'intention... Ici 3-2. Objectif atteint. Réseau, vous avez identifié la position de la cible prioritaire. Terminée. Négatif, pas encore. Hélico en approche à 6h, 3-1. Soyez discret. L'hélico a atterri. Je vois que la loue. Mérinov n'est pas là, ni le paquet. Uniforme allié identifié. Ils sont sains et saufs, mais sous bonne garde. Mouvement près de l'aérodrome à l'est. Ok, cible prioritaire en vue. J'ai la confirmation visuelle que le paquet est en chargement dans l'avion. Nos hommes n'étaient pas censés être inclus avec la livraison du paquet. Permission de récupérer nos hommes. Négatif. L'objectif principal est l'arme biologique. On peut s'occuper des alliés après. Général, j'ai une meilleure vue d'ensemble de la situation. Et je recommande fortement de récupérer les soldats alliés et d'intercepter l'avion en vol. Négatif. Nous n'avons aucun moyen de l'intercepter. C'est un ordre direct du commandement. La cible est la priorité. Continuez la mission, bien reçu. Nicole s'est touchée. Putain, ils sont en train de descendre nos hommes! Il est sans défense. Couvre-le. Tu me dois deux bières maintenant. M4. Allez, une caisse entière. Putain, il va où ? Ici Dias, AC1337. Vous m'entendez ? Ici Résor 3-2. Bien content d'entendre ta voix, Alias. De même, l'ami. Je vais avoir besoin d'aide pour sortir de là. J'ai un automatique rouillé et peu de munitions. La côte est dégagée ? Non. Ok, alors j'y vais. Ok, j'arrive. Je vais te perdre dans un instant. Je change de position, bouge pas. Reçu, dépêche-toi ! J'avance, couvre-moi !
approche par l'est. Il avance rapidement. Prenez le lance-roquette! Touché, dans le sac. Oh, l'avion a décollé, putain. Merde. Wheeler va vouloir ma tête pour ça. Ça va mal finir. Desserriez-vous. Yas, je dois descendre cette falaise. Je te rejoins à 500 mètres vers l'ouest. Ok, compris. Cool. Merci, mec. Sors de là. J'ai entendu que c'est toi qui as recommandé ce mec au commandement. C'est qui ? C'est une petite frappe. Un vrai minable. Il a essayé de nous vendre de la piste d'âne quand on était stationné en Afghanistan. Et s'il y en a un qui peut s'infiltrer en territoire hostile, c'est bien lui. Il va nous mener à Vladic. Aux preuves, tu veux dire ? Oui. Attention, blindé à midi. Je digresse. Date ferraille post-soviétique à midi. Vise le soldat sur la coque. Distance de 150 mètres, vent stable. Prêt à l'attaque. Maintenant, celui... tire soigné. Suis-moi. Ce serait bien que les services secrets n'arrangent pas de rendez-vous en pleine zone de combat. Tu m'étonnes. Ils enterrent plus les cadavres dans les bois. Toujours cynique. Apparemment, le mec est un lâche. Il a insisté pour que la rencontre soit exactement à cet endroit. Il dit qu'on peut prendre de super photos ici. Et c'est moi le cynique. Je vois une cible à la fenêtre, au premier étage de la maison. Ouais, je le vois.
Je les tire, partenaire. Mouvement à l'intérieur. On y va. Je passe en premier. Couvre-moi. Entendu. Attention. Deux, trois ennemis. Un à la fenêtre, deux dehors. À mon signal. Première cible sur le côté gauche du bâtiment en train de fumer. Finissez-le. Putain! Droit dans le mille. Patrouille en approche. Silence. Attends, bouge pas. Avec moi. Je vais me le faire. On dirait qu'ils vont vers la ville. Il faut qu'on fasse l'échange au plus vite. Les gros calibres ne gagnent plus les guerres. Du coup, on engage des petites frappes à la place. C'est pas tout à fait ça. Les mots et les photos sont aussi puissants que les armes. Pour ce job, on a besoin de l'arsenal politique. Putain, ça devient plus... Attends. La zone en contrebas est trop dense pour qu'on puisse tirer. On va se faufiler. Suis-moi, reste sur tes gardes. Bien sûr, chef. Cible en face. Laisse-le, il est trop exposé. Avec moi. Pareil pour l'autre à droite, ne tire pas. Stop. On y va, prudemment. Une autre patrouille de deux hommes. Laisse-les passer. Suis-moi. C'est quoi ça? C'est pas une fusée éclairante. Elle aurait déjà disparu maintenant.
Traversons le plus vite. Oh putain, à terre! C'est pas passé loin, Carl. Rappelle-moi de ne plus jamais t'écouter. C'est pas le moment de douter, mec. Un tireur pour toi, tout là-haut. On va corser un peu les choses. Tu crois que tu peux faire un doublé? Joli. Et celui sur la gauche. Des restes de forces croates essayant de gagner le terrain. Ils sont tarés de voler si bas sous le nez des batteries antiaériennes. J'en ai rien à foutre. Ok, je m'en occupe. J'espère qu'ils vont prendre la tangente quand on aura fait leur boulot. Couvrez-moi, je me lance. Vont vers le nord. On sait pas pour combien de temps, mais faut qu'on disparaisse. On se rejoint au passage souterrain un peu plus loin. Bon boulot, Cole. Un compliment de Maddox. Ouh, c'est assez rare pour le souligner. Allez, notre forme devrait être de l'autre côté de ce passage souterrain. Quelqu'un arrive. Viens. Je pose un explosif. Couverture! Roule-toi, on est grave dans la merde! Merci, j'ai vu. Laisse-moi bosser. C'est fait, on se casse. On y va. Allez! Peut-être plus tard. Il paraît que tu connais le chemin. Oui, j'en ai bien peur.
J'aimerais ne plus jamais avoir à poser les yeux sur ce terrible roi. Les fantômes des victimes de Vladitch peuvent être vengés. C'est pour ça que nous sommes là, pas vrai? Ça et une mallette pleine de billets de 100 dollars incroissables. Je crois que ton partenaire ne m'aime pas trop. Je t'aime pas trop non plus, mais on n'est pas venu pour se faire des amis. Plus vite, tu nous amèneras au campement de Vladitch. Et plus vite, tu pourras récupérer ton argent et retourner à ta petite vie palpitante. N'en dites pas plus. Suivez-moi.